Il y a quelque chose qui ne marche pas. Village en enfer. Village en enfer. Somo. Bana na sala msala na mwame lukuna mwame. Mama nini? Chito, zwa kurashi, oza mobali, kende kutala. Uzwa yangu, yu mkwe bilu kukusala. Me, yaluko na uibiso, kuno bati, mutupea ibati, mutupea ibati. Nana za lakia. Non, Mundi, tu viens ce problème. Un fantôme. Ah, mon Dieu. Moi, je suis orphelin. Et en plus, je suis encore élingué. Je suis encore jeune. Non. Mais je vais agir. Je vais agir.
faut savoir, se battre pour le village. Surtout ça. Surtout vraiment. On avait été désigné à être le guerrier. C'est pas parce que de notre apparence, mais parce que on nous connaissait, qu'on est des braves hommes. Et c'est ainsi. Nous sommes censés les présenter, de faire et valoir. La sécurité du village. Oui, c'est ça que nous devons faire, la sécurité. Donc nous devons sécuriser le village, et ainsi que les habitants. Surtout. Et surtout, qui est en jeu, la paix dans notre cœur. Cet village soit à nous. Ça que j'ai toujours souhaité. Si. Voilà. Moi, brave personnellement, j'étais toujours persuadé à faire des grandes choses. Et puis, ce que vous devez savoir, on est des guerriers. Devant un adversaire, tu dois lui regarder dans les yeux. Tu ne dois pas avec lui. Et puis, ce que je veux dire que... Vous devez savoir, un guerrier, il faut regarder son adversaire dans les yeux. Elle passait. Tu cries sur moi? Oui. Après avoir trahi. Trahir? Où est venue cette distraction? Comment on était distrait avec vous? J'ai dit, tu étais où? Et on était à trois, non? Vous vous promenez avec deux bâtons de protection. Et vous faisiez passer la fille? Hey, attention! Allons-y. Plus jamais de me toucher! Si tu... J'ai dit, plus jamais de me si toucher. Si tu continues de crier sur moi. Bon, ça fait okay, quoi? On doit aller. Tu as fait quoi? On doit aller. On doit aller. C'est fini. Allez. Qu'est-ce que tu as fait? On y va. On y va, monsieur. On t'a fait une patrie. Moi j'ai déjà fait. Où est la nourriture? Ça c'est tout pour la porte, papa. Au revoir, ma Viens.
Florence. Où est la Loditi? C'était ici, non? Florence, tu as pu se me parler. Ça n'est pas le vide de Bilo et Zarabi. Je n'ai mis ça ici. Florence. Papa. Tu commences à blaguer avec moi. Non, papa. Hein? Ce côté qui comment ça ne continue à la vie? Hein? Florence! Non. Florence! Pardon, papa! Florence! Pardon! Florence! Pardon, papa! Pardon, papa! Nous avons mis ce Bilo et Kewapi. Bilo et Kewapi! Je ne sais pas, papa. Non! 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 Non, Florence! Tu es en train de lui expliquer que tu as vu une fille étrange. Oui, David. Dans notre village. Oui, David, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. David, c'est une chose grave. A Cindy na kati kati ya mai. En plus, na moni li sota limwe. Quoi? C'est pas possible. Je ne sais pas. David, dis-moi d'abord, on va faire comment? Hein? C'est maman. Calmez-vous. Moi, je rentre à la maison. Je vais expliquer ça à ma maman. Parce que ma maman chérie, vous tous, vous savez que ma maman a ça lisse ya mboka ou maman n'a ça sage na mboka ou. Moi expliquons maman à Bisso. Vous allez bien nous calmer, vous allez vraiment calme. Oui, là tu as raison. Non, moi si. Adindi na mai, la limon. Vous êtes dérangé, t'es la vie. Moi je vais expliquer à ma maman. Et ce qui est en train de passer dans notre village. Moi je rentre, je vous laisse. Hein. Ça c'est pour moi. Thank you.
Altesse, excusez premièrement de vous surprendre. Mais s'il se fait, c'est pour vous raconter que il y a une chose horrible qui se passe ici dans notre village, dans lequel vous êtes roi, sa majesté. Il y a une fille étrange que nous avons rencontrée aujourd'hui avec mes collègues. Alors cette fille a une puissance terrible. Elle nous a neutralisés. Après son départ. Nous l'avons vu. Kaga, moi aussi. Oui, c'est une fille. Après son départ, c'est là où notre conscience s'est relevée. Magnifique fille. Hein? Une belle fille. Yosa moi, le bébé. Osons que nous la montrer. Son magnifique fille. Je vous en prie. Son Altesse, j'aimerais que vous puissiez faire quelque chose. Avec les pouvoirs que vous avez. Faites quelque chose, Son Altesse. Son Altesse, faites en sorte que cette chose prenne fin. Sinon, ça va s'empirer. À votre nom. Papa Siyansi. Altesse. Et vous aussi, Papa Mika. Vous êtes des sages de notre village. Mais pourquoi toutes ces choses-là? Ce que moi, je ne m'arrive pas à comprendre, c'est quoi? La maman ici, Il y a une bonne chose. Je vous recommande d'entrer. Partout dans le monde, cherchez-moi ces filles là. J'ai besoin d'elles. Où ça la voyez? Il y a le gros déjà poil de belé. Il faut qu'on t'azamba na compte en boloko. Il y a bien le balai du coup la bouche à la poil d'été. Boké na maï, vous oubliez ça à ce moment-là. Mouya il y a un gars, un golo, il boue, il boue la grande. Je suis Bakaku. J'ai commis tout.
C'est moi, le gardien du village. Personne ne peut manipuler mon village. C'est mon village. L'homme n'est pas là. Village en enfer. Ça commence. Ce n'est que le début. Comme tu ne sais pas, tu ne sais pas. Notre village est en danger. Depuis 1984. Il est revenu. Azongi dans le lenge nyoso. Akokiko zalayo. Il peut être tout le monde dans notre village. C'est très dangereux. Mais pendant tout ce temps, Yosa, oui, on boka mon bimbi na kamisu. Kasi, comment Patou Bakouki Kobanda ko disparaître? Village Mobimba. Et ça n'a pas beaucoup. Je suis le gardien. Raison pour laquelle cet esprit m'a visité le soir. M'a tout révélé. Raison pour laquelle je suis ici. Toi aussi, tu as vu cet esprit-là. Je suis le gardien des esprits. Milimo, écoute en Kananga. Milimo, l'obakananga. Il y a une solution, Son Altesse. Yeba ko bate la lobinayo. Laissez-moi le temps. Parce qu'il y a une solution.
Seka. Suis-moi. Maman m'avait dit que non, la femme de J3 est l'ami mort-né. Mais comment j'entre de passer? J'écoutais la voix d'un bébé en train de pleurer dans cette maison. Et la maison est fermée. Comment ça? Ah! Mais c'est étonnant. C'est juste toi, il est en train de pleurer. Un bébé? Oui, maman. Ça m'a étonné. Parce que moi, je sais, toi, tu es la femme sage de ce village. David. Maman. Au mieux, ce monde. Éthique secret entre moi et toi. Quoi, maman? T'es gardé ça? Oui. Non, maman. Maman, comment je vais garder ça? David. Maman. Qu'est-ce que je dis? T'es gardé ça comme un secret. Oui, mais c'est ça. Mais ça, ça me tombe. Un bébé dans notre village. Pendant que toi, maman, moi, tu es la femme sage de ce village. David. Et tu me dis de garder ça, maman. David. Maman. Écoute-moi bien, ce n'est pas ton problème. Moi, David, de garder ça comme un cycle. Maman, jamais. Maman, jamais. Moi, je vais annoncer ça dans cette village. Son Altesse, comme je viens de vous dire tout à l'heure, on a parcouru tout le village, mais ma fille Moseka, je ne la retrouve même pas. J'ai eu le temps de servir le village auquel tu es roi. Mais pourquoi les dieux ont permis que ma fille être disparu. Mon unique espoir. Je compte aussi parce que... On a cherché partout. Tout le monde y était.
Je vais ma fille. Mais ça n'a pas tenu. Où les dire nos ancêtres? C'est ça ma question. Trouvez-nous une solution. Les dieux de nos ancêtres est là. Allez-vous encore dans le côté Zamba? C'est vous qui m'avez donné cet enfant. Vous qui circulez dans le vent, écoute, dans le soleil. Les choses, ça commence à s'appirer toujours. Maintenant, il faut prendre une décision pour ça. Parce que on a beaucoup de problèmes ici. Il faut aller chez le gardien des esprits de nos villages. Vous avez raison de dire cela. Et là, vous avez un bisou. Dès que l'on vit, les choses commencent à devenir graves. Donc, il faut que nous pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et puis, il faut. Dika. Moseka, je n'ai pas besoin de te tuer. Je suis au poste de la Ramsala. Je suis au poste de la coupe. Mais il y a quelque chose qui passe dans votre village. Pendant que vous êtes là en train de penser, vous savez rien. Moi, j'ai en train de parler de bêtises. Permettez-lui de parler. Monsieur, David, tu peux parler. Merci. Mais son nom, c'est que moi, si j'ai trois ans,
Si. Ah bon, répondre à si. Mettons dans le bac, vous essayez de kata kolobate. Moi, si j'ai trois bottes, lima. Quoi? Mais tu n'as fion. David, est-ce que tu as des preuves tangibles? J'ai des preuves. Moi-même, j'étais là. Tu as été témoin oculaire? Oui. Ma maman est témoin. Maman n'a pas assisté. Tant que moi, j'ai trois bandes de kobote. Ce n'est pas possible. C'est possible. Les guerriers, j'espère que vous êtes ici. Ouais, nous sommes là. Et ne dormez pas. Toutes les filles des villages, avec le message que nous venons de recevoir ici, auprès de David, que tout est chacun de nous garde les secrets pour lui. Ouais. En fait, que nous puissions mener enquête ensemble. De garder ça comme secret, bien sûr. Et on ne peut jamais renoncer quelque chose dont on n'a pas saisi, bien que tu avais témoigné. Tu n'es pas sûr de moi, hein? Je suis sûr de toi, David. Même vous, le fils du village, que vos bouches soient fermées. Impossible! On peut la garder, mais toute vérité finira par être triomphée. Je parle en tant que guerrier. Je connais pourquoi je parle. Est-ce que tu es qui? Je suis brave, que tout le village connaît. Elle n'est pas notre fille. Elle n'est plus notre fille. Mais c'est moi, c'est quoi, non? Ah, arrête de me. Je suis du fantôme, non? Papa, c'est moi. Non! Brave. Ce n'est plus notre fille. C'est moi, c'est quoi, non? Ce n'est plus notre fille. Mais tu cries, c'est que. Non, mais va chercher pour moi, ma fille, va chercher ma fille. Mais elle est revenue. Non. Allez, laisse-moi. Ma fille. Nomi! Mais tu étais où comme ça, ma fille? J'étais dans le parage. Vraiment? Tu étais avec qui? Mohamed. Mohamed! Ah, ma fille. Comme. Brave. Ni n'est si mbati na yo. Ah? Hein? Ni n'est si mbati. O tiens, ma quelle est la moine? Je t'avais parlé que celle-là, ce n'est plus notre fille. Ce n'est plus notre fille, c'est qui alors? Elle n'est plus notre fille. Ce n'est plus beau, c'est que je connais. Ok. Soit Monica, ça m'a dit, sauté, yo, que des tickets qui sont en train de faire. Nomi? Est-ce que tu sais ce que je vécu dans la brousse? Ok, merci. J'ai accepté de passer ma vie dans la belle étoile. Que de vivre ici encore. Ok, vas-y. Thank you.
Je t'aime beaucoup. Pourquoi tu veux me faire peur? Privilège, c'est moi qui le vois. Je reste avec toi. Reste avec moi, chérie, s'il te plaît. Rose! Ingénieur central MP4.